Culture. Alors bonjour Linda Tamdrari. Bonjour Fatema, c'est un plaisir de te retrouver. Merci comme à chaque fois. Linda, voilà, donc Fatema, on va revenir un peu sur les rendez-vous culturels actuellement. On va aller beaucoup plus sur des expositions, oui, des conférences, des rencontres littéraires. Il y a aussi au niveau du théâtre régional d'Oran, il se prépare à recevoir Brahim Hajj Qassem. Brahim Hajj Qassem qui est dans le site de la musique Haouzi et ce sera du Médih. Donc on va rester un peu dans cette ambiance un peu plus calme on revient aussi sur l'établissement art et culture au niveau de la Wilaya d'Alger où on a quand même pas mal de très très belles expositions à découvrir, que ce soit au niveau de la galerie Rassim, la galerie Aïcha Haddad également. Et les rencontres du mercredi du Verbe, il y a des rencontres aussi avec Madame Fouzia Laradi qui organise tous les mercredis de très très belles rencontres littéraires où on peut aussi, on va y revenir d'ailleurs sur ces rencontres-là, où elle reçoit des poètes, des écrivains de différentes expressions linguistiques, c'est-à-dire que vous pouvez être rencontré donc des écrivains d'expressions amazigh, arabe, française, anglaise par moment. Donc et vraiment ce sont de très très bons moments à partager. C'est au niveau de la galerie Mantouri ex-Pichon, en plein centre-ville d'Alger. Nous avons aussi ce fameux marché artisanal qui se trouve au niveau de la capitale, parce que vous savez que notre communauté vient passer les vacances. Ils sont déjà ici, très nombreux déjà à être très parmi nombreux. Nous. Oui. Exactement, vous avez la visite de la Casbah, de tous les sites historiques de la capitale et des autres wilayas, bien entendu, là où ils peuvent se déplacer. Et puis nous avons aussi le fameux marché artisanal qui se trouve au niveau de la Grande Poste. D'accord. Où vous allez pouvoir retrouver donc de très 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 belles choses, de très très bons produits à des prix intéressants. Très voilà. Bien. Merci beaucoup Linda Tamdrari pour toutes ces informations. Passez une bonne journée Linda, il est 7h51.